His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à cette édition d'actualité sur Digital Congo, l'écran numérique. Et bienvenue une nouvelle fois. Nous allons commencer cette édition d'actualité par la province du Nord Kivu. Nous nous rendons précisément à Rugari, où après avoir assisté à la mise en service de la centrale hydroélectrique de Matébé par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, la centrale dont la construction a été financée par sa fondation, le milliardaire américain Howard Buffett est toujours dans cette partie du territoire national. Il a inauguré cet avant-midi le réseau d'adduction d'eau potable de Rugari et ce, 50 ans après, cette population retrouve la saveur de l'eau potable. Hortense Abakuta Moulisa. L'eau potable coule enfin dans les robinets des Rugari, localité située à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru. 50 ans durant, comme le témoignent ses habitants, ils consommaient l'eau des pluies ou celle des bananeries. Cette réalisation est l'œuvre de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, par le financement de l'Américain Howard Buffett, qui a atterri à Rugari à bord de son jet privé. Les habitants des Rugari, à travers leurs notables, manquent des mots pour exprimer leur gratitude. Au bailleur de fonds, nous disons grandement merci et nous espérons que cette œuvre ne sera pas la dernière et que nous allons continuer à compter sur sa bonne foi pour d'autres actions socio-économiques et de développement dans ce territoire et dans ce pouvoir d'organes cadavres. Ce réseau d'eau va non seulement desservir Rugari, mais aussi les localités de Djomba et Kisigari. Tout heureux d'avoir posé ces gestes, le milliardaire américain Howard Buffett veut que cette population préserve cet ouvrage le plus longtemps possible. Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, nous nous dirigeons présentement vers la partie nord de la province. En ce qui concerne Eringeti et Ouicha, ainsi que la grève de blouses blanches dans cette partie du pays, ce sont là les sujets qui préoccupent le ministre d'État, ministre de la décentralisation Salomon Banamouere et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia. Les deux autorités se sont rendues cet après-midi à Beni. Il est donc question de pouvoir s'enquérir de la situation et y apporter des solutions. Les précisions dans ce reportage. C'est en début d'après-midi que le ministre d'État et ministre de la décentralisation, accompagné du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, atterrissent à Beni. Il s'agit de s'enquérir davantage de la situation sécuritaire qui prévaut à Eringeti et l'axe Ouicha. Autre situation préoccupante, la grève de blouses blanches. Les médecins et les infirmiers sont en colère dans cette partie du pays. Il faut trouver des solutions immédiates. Oui, mon arrivée à Beni s'est justifiée par la situation qui se passe dans cette région. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y avait des problèmes à Eringeti. Pourtant que moi-même, je vienne, parce qu'il s'est ajouté un autre problème, celui de la grève des infirmiers et des médecins. Voilà pourquoi j'ai dépêché évidemment le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur pour qu'ils viennent parler et négocier avec les personnes de la Santé en vue de reprendre d'abord les services pour ne pas ajouter déjà au nombre de morts importants d'autres morts. Et je suis heureux que cet appel a été reçu par la société civile et tous les personnels infirmiers et médecins qui a repris déjà les services. C'est donc, je les remercie très sincèrement. De Troyes, je viens évaluer une situation générale pour savoir qu'est-ce que nous pouvons encore faire. Parce que comme vous le savez, le président de la République est à Goma et pour moi, je ne peux pas ne pas venir évaluer la situation en vue de lui faire un rapport de terrain
qui va lui permettre de devoir décider sur des grandes mesures qu'il a annoncées lorsqu'il était devant le Parlement réuni à Pompéi. Juste après, le patron de la territoriale et celui de la province du Nord Kivu sont allés en réunion avec les comités urbains et de la territoriale pour voir qu'en est-il au niveau de la sécurité, précisément dans ces territoires de Béni. Il faut tout savoir. Et au Maniema, on intercède pour un dialogue national inclusif réussi en République démocratique du Congo. Plusieurs représentants des confessions religieuses, à l'exception de l'Église catholique, ont répondu présents à la séance de prière intense organisée pour la tenue de ce grand rendez-vous entre Congolais initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La cérémonie écuménique s'est déroulée à Kindu en présence du gouverneur Pascal Toutou Salumu, des notables et des membres du gouvernement provincial ainsi que de l'Assemblée provinciale du Maniema. Coralie Mayoukou, Lidvin Mafuta Kalumba. Pour soutenir le dialogue national initié par le chef de l'État, les confessions religieuses de la province du Maniema ont organisé récemment un culte d'intercession à Kindu pour remettre entre les mains de Dieu le déroulement de cette grande rencontre. À l'exception de l'Église catholique, plusieurs représentants de différentes églises ont signé leur présence, l'Armée du Salut, Néhémie Panza de Nzambe Malamu, les patriarches Félix Pogno du Centre Viens et Voix, Cheikh Doumissa et l'évêque Bitingo Lusambia de l'ECC. Tous autour du drapeau de la RD Congo tenu par le gouverneur Toutou Pascal Salumu ont fait une prière intense. Le gouverneur du Maniema a salué l'initiative prise par les hommes de Dieu de sa province. Au nom du gouvernement provincial, au nom de tous les dirigeants de la province, rendre grâce à Dieu. Je remercie très vivement nos pasteurs, les serviteurs de Dieu. En face du dialogue, il n'y a pas une alternative crédible, parce qu'il n'y a que le dialogue qui conduit à une paix durable. Notez que le culte a connu la participation de plusieurs notables de la ville, les membres de l'Assemblée provinciale ainsi que les fidèles de partout. Le mouvement social du Renouveau MSR, Fédération de Lualaba, vient de faire une déclaration dans laquelle elle affirme, donc la fédération, son attachement à Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. Cette fédération dit ne pas être d'accord avec ceux qui ont choisi d'œuvrer dans le G7. Marie-Louise Moussenga est au micro de Jean Katunga. Déclaration de prise de position des membres du mouvement social pour le Renouveau, Fédération du Lualaba. Nous, députés nationaux et provinciaux, cadres du parti, membres et sympathisants du mouvement social pour le renouveau, en sigle MSR, suivons attentivement depuis quelque temps l'évolution politique dans notre pays, surtout en ce qui concerne la position du MSR. Tenons ce jour à fixer l'opinion nationale. En effet, la situation actuelle au sein de notre parti appelle de notre part les observations suivantes. 1. Nous avons été surpris par la prise de position du directoire du MSR qui a engagé le parti dans le G7 et ensuite dans l'opposition, sans consultation ni explication des cadres de la fédération du Lualaba. 2. La plateforme G7 à laquelle le directoire a fait adhérer notre parti politique brille par ses positions excentriques et non expliquées, notamment la remise en cause du processus de la réorganisation territoriale qui est pourtant constitutionnel, le refus du dialogue qui est pourtant un cadre de concertation alors qu'il y a nécessité de se parler entre frères. Ayant attendu en vain un long temps d'explications et fort de toutes ces observations, nous, députés et cadres du parti Fédération du Lualaba, confirmons notre appartenance au MSR. 2. Réitérons notre adhésion à la majorité présidentielle. Et puis cette information, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a reçu ce jeudi respectivement l'ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Monseigneur l'énonce apostolique Luis Montemayor, et une délégation de Human Rights Watch conduite par Mme Ida Sauter. Les hôtes du jour sont venus s'informer précisément sur l'ensemble de l'environnement électoral en République démocratique du Congo et parmi les sujets
évoqué le réaménagement du calendrier électoral, le fichier électoral, bref, la coopération entre différents acteurs en vue de surmonter les obstacles qui empêchent les processus électoraux en République démocratique du Congo de marcher correctement. Les interlocuteurs ont rassuré le président de la CENI quant à leur rapport concernant le soutien aux élections à peser en République démocratique du Congo. Et l'association du barreau américain organise un atelier sur l'utilisation de la base des données judiciaires par les acteurs judiciaires du niveau central, des travaux ouverts par le directeur des cabinets adjoints du ministre de la Justice, Droits humains et Garde des Sceaux, travaux qui se sont déroulés à l'hôtel Soultani dans la commune de Lagombe. Reportage. L'association du barreau américain, toujours active pour l'amélioration de l'accès à la justice et de la sécurité pour la population touchée par les conflits. Le renforcement institutionnel et soutien à la police nationale aussi. Raison de l'organisation ce jour à Kinshasa d'un atelier sur l'utilisation de la base des données judiciaires par les acteurs judiciaires du niveau central. On retrouve comme participants les représentants du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la magistrature et autres acteurs importants. Les travaux se dérouleront selon la méthode participative et interactive. Il s'agit de l'incorporation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'opérationnalisation moderne des acteurs judiciaires en République démocratique du Congo. Les représentants du ministre de la Justice ont des attentes. Vous savez que la modernisation de la justice en cette période, n'est-ce pas, de la modernité est au centre même du programme et de du ministère de la Justice et des Droits humains, qui n'a cessé de nous la rappeler utilement lors de la tenue du 27 avril au 2 mai. Des états généraux de la justice. Côté association du barreau américain, on reste déterminé à garder le cap. L'objectif vise globalement à amener les acteurs du secteur de la justice du niveau national à utiliser les programmes bases données judiciaires et SMS case filling dans le cadre du suivi des questions de recevabilité. Le travail est facilité pour les acteurs judiciaires et les données sont fiables. Travaux financés avec le soutien du département d'état américain et de la fondation MacArthur. Depuis cette nouvelle, tenez-le bien, un chercheur congolais nommé Patrick Keka vient de concevoir un microscope numérique qui permettra d'agrandir jusqu'à 50 000 fois le niveau de bactéries et même que ce microscope, cet appareil, donc, pourrait directement envoyer les résultats du patient à son numéro de téléphone. Ce chercheur a été reçu par le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique devant Christelle Chibambevita. Ce chercheur congolais Patrick Keka Oemba Okese vient de réaliser un microscope numérique capable d'agrandir jusqu'à 50 000 fois la taille des bactéries dans l'appareil Made in DRC et même transférer les résultats des analyses dans le téléphone du patient, comme il le confirme ici. À partir du microscope, on peut vous donner, il ne faut même pas venir demander les résultats, on peut vous envoyer les résultats à la maison, par SMS par exemple. Par tout ce que nous connaissons, parce que ça fait le lien avec toutes les technologies actuelles. Mais le laboratoire n'envoie plus le bon seulement chez le médecin. Avec ça, le laboratoire doit envoyer et le bon et l'image que lui a interprétée. Il a vu et il a interprété. Parce que le microscope vous donne la possibilité d'imprimer l'image que vous avez vue. Ce qui donne la possibilité au médecin d'interpréter de la même manière que le laboratoire. Pour rappel, Patrick Keka a plusieurs fois tenté de lancer des fusées, et ce, dans le cadre du programme Galaxy prévu pour 2016, le chercheur s'active pour relancer la fusée Troposphère 6, capable d'atteindre 200 km/h d'altitude. Soulignons par ailleurs que le chercheur Patrick Keka lance un appel au ministère de l'Industrie ainsi qu'au Fonds pour la promotion de l'Industrie.